Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Wysinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Laura, ça va très bien. Quelques petits déboires en ce début d'émission, ça arrive parfois après tant de temps qu'on ne s'est pas vu. Et bien voilà, parfois le direct ne fonctionne pas comme prévu. Donc on commence avec quelques minutes de retard, mais on est là, on est bien Exactement. Présent. Exactement, le plus important c'est d'être là. D'ailleurs, oui. C'est une émission importante qu'il faut enregistrer. Oui, tout à fait. Donc c'est très important. Allez enregistrer, t'inquiète pas, j'ai lancé l'enregistrement, j'y ai pensé. Super, puisque nous avons plein de surprises dans cette émission. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est la plénitude. Et pour toi, Camille, quelle est ta définition de la plénitude ? Bon, alors, la plénitude, pour moi, déjà, on l'a que si on a réussi à accomplir quelque chose dans sa vie, je pense. C'est-à-dire qu'on se sent dans un état de plénitude quand on se sent rempli par quelque chose. Je pense que souvent on emploie le terme plénitude quand on est dans la paix, dans la sérénité, en général. Hein, moi j'entends souvent ce mot-là, en tout cas dans, disons, les milieux qui sont un peu plus zen ou des trucs comme ça. Donc on parle de ça, on est rempli de paix et donc il n'y a rien qui peut nous atteindre. Donc je pense que la plénitude, ça peut être dans différentes facettes. Hein. On peut être dans la plénitude, dans la joie par exemple, si vraiment rien ne peut nous atteindre, on est dans une joie complète. On a atteint, comme qui dirait entre guillemets, le nirvana de la joie, si je pouvais dire. C'est un peu ça la plénitude. Enfin, moi en tout cas, je le perçois comme ça. Après, c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas souvent utilisé. Donc, quand tu m'as posé la question, là, j'avoue, j'étais un peu... C'est un peu une colle que tu m'as posée. C'est vrai. Bah, je ne l'emploie pas souvent. On l'emploie, mais très rarement. Mais au final, ça a du sens à partir du moment où voilà, on se sent, je sais pas, d'une certaine manière un peu complet dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit. Je sais pas, c'est... un ensemble de choses de ce type-là. Oui, c'est vrai, c'est cet état que tu décris, ça me fait penser un peu à une communion avec, avec l'ensemble des êtres vivants, l'ensemble de la nature, un état d'être qui permet d'accueillir c'est vrai. Tout ce qui vient et de vraiment le voir de manière extrêmement positive, grandissante. Alors pour ma part, la plénitude, c'est vraiment un état d'être, mais c'est un état d'être qui est fort, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il est, il est vraiment fort, il nous permet de nous sentir comme si nous naviguions tel un petit nuage dans le ciel. Oh, c'est beau comme image. Ah, c'est ça la poésie, hein. Il y en aura des métaphores. Exactement. Vraiment, c'est cet état vraiment de complétude. Comme si nous étions remplis et une sensation de bien-être, de profond bonheur, d'authentique bonheur. Ça, c'est vraiment là, très important, cette notion d'authenticité. C'est-à-dire, c'est pas juste être content, c'est la joie plus. C'est vraiment être rempli, en fait. Mais je me pose une question, là, tu vois, en pensant à tout ça, parce que je pense aux personnes qui sont amoureuses pour la première fois, ils sont pleins d'entrain. On pourrait presque dire qu'ils sont dans la plénitude de leur amour, tu vois, ils sont à fond, en feu, et limite parfois on dit que l'amour est aveugle à tel point. C'est vrai. Je me posais la question justement, est-ce que quand on est dans la plénitude et que c'est tellement, voilà, ça va au-delà de tout ce que l'on espérait, on n'est pas un peu aveugle parfois? Est-ce que la plénitude rendrait aveugle? Peut-être pas forcément. Peut-être qu'elle ne voit que les bons côtés. Elle nous permet de poser un regard sur le positif, en Je pense cas. Que c'est ça, ouais. Ça, c'est sûr. Et puis, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que, quand tu parles de l'amour, parce que c'est cette notion d'amour inconditionnel envers soi. Déjà, dans un premier temps, et d'amour inconditionnel envers l'autre. Et c'est vrai que dans la plénitude, c'est, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et je le vis. C'est cette certitude de pouvoir être aimé et d'être aimé de manière inconditionnelle. Et aussi de pouvoir aimer
à son tour de manière inconditionnelle. C'est fort ça. C'est-à-dire ouais. que, oui, inconditionnel, c'est que rien ne peut ébranler ce que l'on est en train de vivre. C'est... Il n'y aura pas de barrière, quoi. C'est... Exactement. Mmh. Exactement. Et c'est vrai que tu soulignes cette notion d'accomplissement qui est très importante. Et c'est vrai que cette notion d'accomplissement, pour moi, elle est c'est un point de départ pour pouvoir être dans cette plénitude. Et dans cette notion d'accomplissement, il y a cet entrain de vouloir ensuite redonner ce que nous avons reçu et qui amène cette plénitude. C'est vraiment, pour moi, la plénitude, c'est vraiment comme si nous étions entourés d'abondance. Tu vois, l'abondance, qui en tout cas pour ma part est une notion extrêmement positive, qui est cet état d'être, ce mix d'état d'être entre la joie intérieure et l'apaisement total. Comme si nous avions cette joie intérieure, nous sommes remplis de cette joie intérieure et nous avons cet apaisement qui est vraiment total, cette paix intérieure totale. Je trouve que c'est un peu, comme je disais, un aboutissement de quelque chose. Par exemple, une personne qui décide de monter jusqu'au sommet de l'Everest, quand elle arrive en haut, qu'elle a touché le but, tu vois, elle a cet état de plénitude. On sent qu'on a vraiment accompli les choses et que c'est fait. Exactement. Donc, ouais, je sais pas, à savoir quand est-ce qu'on ressent cet état-là. Je pense qu'on le ressent à différents moments de notre vie, en fait. Oui, et ouais. Alors du coup, toi, Camille, tu as déjà ressenti de la plénitude ? Oh là là, tu me poses ça comme ça. Hey, tu veux vraiment que je... Ah, là, honnêtement, je sais pas. La plénitude, je pense que je l'ai ressenti à un moment particulier parce que c'était un engagement fort que je prenais et je savais pourquoi je le prenais. Il y a deux engagements que j'ai pris qui sont très forts pour moi. Mon mariage, qui est très fort. Et mon baptême. Et j'avoue que le jour de mon baptême, j'ai ressenti quelque chose qui était en dehors de tout ce que je pourrais exprimer même. Donc tu étais déjà un enfant conscient, enfin tu avais déjà... Non, quand je me suis fait baptiser, j'avais 19 ans. Hein. D'accord. J'avais 19 ans et j'ai pris conscience qu'il fallait que je me fasse baptiser et que je m'engage. Mais ce jour-là, j'avoue que... J'ai senti que j'avais passé un cap. Et il y avait vraiment quelque chose que, voilà, je pourrais même pas l'expliquer. Hein. C'est pas une sensation forcément physique. C'est peut-être un état psychologique. Je sais pas. Je saurais même pas l'expliquer. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'avais une paix sûre et certaine. J'avais confiance en l'avenir. J'étais dans un autre état d'esprit. Enfin, en tout cas, un état d'esprit qui était vraiment... Je suis confiant en l'avenir. Mais à ce moment-là, il y avait un état vraiment particulier où, ouais, c'était... C'est très beau. Ouais, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Et toi, tu m'as posé la question, maintenant tu vas me dire, toi, est-ce que tu as ressenti cette plénitude au moins une fois? Alors oui, oui, moi je la ressens, alors souvent, ce serait peut-être, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas je la ressens régulièrement. Parce que c'est vraiment cette notion d'accomplissement. Hein, c'est vraiment quand je me sens accomplie. Par exemple, lorsque je vais créer une œuvre d'art, en fait, quand je crée une œuvre d'art, je crée toujours pour quelqu'un. D'accord. C'est-à-dire, je me dis, cette personne, elle va acquérir cette œuvre. Et même si je ne l'ai jamais vue, en fait, cette personne, je l'imagine. J'imagine comment est cette personne. Et je me dis, cette personne, elle va être très heureuse lorsqu'elle va avoir cette œuvre, lorsqu'elle va la regarder, ça va la faire voyager. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un acte où je mets tout mon amour dans cette œuvre. Et lorsque j'ai terminé cette œuvre et je la regarde, eh bien, je ressens ce profond accomplissement. Et donc, cette plénitude qui remplit mon cœur de joie. Et c'est aussi bien des œuvres de peinture que des œuvres de spectacle. D'accord. Et ça peut être un spectacle dans lequel moi, je vais jouer. Et ça peut être aussi un spectacle dans lequel des personnes de ma compagnie vont jouer. Et je pense justement à ça, je me dis, ah, ça va être merveilleux quand ces personnes vont venir voir par exemple ce spectacle et tout ce qu'elles vont pouvoir ressentir, comment elles vont voyager, qu'est-ce que ça va leur amener. Pour moi, c'est important dans la vie, quand je crée, que ça soit fort.
D'accord. J'aime pas l'eau tiède. L'eau tiède, pour moi, c'est... Mmh, oui, bien sûr, voilà. Je comprends. Il faut que ça qui est-ce qui aime l'eau tiède? Non, mais il y a des personnes voilà, qui apprécient, on va dire, quand c'est un peu tiède. Mais moi, il faut que ça soit fort, il faut que ça soit profond, authentique. Ouais. Voilà, quelque chose qui... Alors, si c'est une œuvre peinte, bah, moi, je voudrais la mettre chez moi. Mmh. C'est-à-dire que ça ferait vraiment partie de mon environnement. Je serais heureuse de l'avoir chez moi, au même titre que quelqu'un pourrait être heureux. Et quand c'est un spectacle, eh bien, je serais heureuse de jouer dedans, ou la personne qui fait partie de ma compagnie serait heureuse de jouer dedans. Mmh. Et puis surtout, les spectateurs seront heureux et ressentiront une joie intérieure. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Alors, je te propose, du coup, Camille, après cet échange philosophico-politique... Fort intéressant, c'est clair. Très intéressant, en effet. Avec toi, ton approche très forte de la spiritualité et de l'engagement, qui, et moi aussi, une approche de la spiritualité qui passe par l'art, eh bien, je propose une petite parenthèse musicale avec notre cher Peter B. Eland. On écoute ça tout de suite. Vous avez écouté Beyond. Alors, Beyond qui signifie au-delà. C'est vrai que la plénitude, c'est au-delà. De notre cher Peter B. Eland, dont nous aimons tellement la musique. Tout à fait. Donc, petit rappel pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nos auditrices et nos auditeurs. C'est un compositeur norvégien. Et les compositions sont accompagnées de très beaux clips vidéo avec de magnifiques images que je vous invite à découvrir sur Internet. Alors Camille, je te propose que tu lises un très beau poème d'un de nos fidèles auditeurs et amis Jean-Paul Baudouin. Bien entendu. Et un poème qui nous parle de cette quête de plénitude. Avec notamment un nouvel élan. Alors élan, pas comme l'animal, attention, hein, je préfère le préciser avant de continuer. On parle bien sûr d'un élan... pour vie. S'élancer, voilà. Exactement. Un nouvel élan de Jérôme Matin. On écoute ça. Il y a des couleurs dans le firmament, aux horreurs d'un jour précieux, le dessein des cieux, aux êtres inspirés, la promesse d'un nouvel élan. Comment muré pourrais-tu en rendre grâce, noyé dans les méandres d'un pâle quotidien? L'œil figé dans le reflet de la glace, le destin des tiens dans le creux de ta main. Ce sourire, ce masque, cet excès de bienveillance,
à se nourrir du bonheur de l'autre, on en oublie d'être heureux. Ce regard, ce mensonge, quel est ce mal qui te ronge? À trop enfouir ses secrets, le réel devient poreux. La rivière n'attend pas que le vent creuse son nid. Elle défie le temps, la roche, l'horizon et le vide. Tu es de celles qui bâtissent, héritière des Candaces, de celles qui se relèvent quand la ville est terrasse. Tant de montagnes à gravir et de larmes à verser, tant de torrents à franchir et de chaînes à briser. Toi qui ne savoures que l'instant de solitude, puisses-tu emprunter le sentier de la plénitude, sentir la chaleur et la tendresse d'un corps aimant, d'un regard amoureux, le feu ardent, gardien des messages que porte le vent. L'oiseau même en cage ne saurait chanter faux. La nature l'a fait ainsi, nul doute ne l'habite. Puisses-tu un jour trouver la paix, l'amour que tu mérites. De Jérôme Mattin. Très beau poème. Toujours très finement choisi les poèmes de Jean-Paul Baudouin. Oui, c'est vrai. Et puis on découvre des artistes. Hein. On Exactement, découvre d'autres poètes qui ne sont pas forcément de la, je dirais, la littérature poétique reconnue, entre guillemets, dans le sens large du terme, quoi, dans le grand public. Oui, oui, c'est-à-dire celles qu'on apprend à l'école depuis, voilà, c'est ça. Depuis 30 ans. Et ça fait du bien d'avoir justement des regards nouveaux, des regards neufs, d'avoir d'autres auteurs qu'on ne connaît pas. Ça permet d'avoir une autre approche, quoi. Exactement. Donc, c'est un poète à découvrir, que nous aurons le plaisir de découvrir dans les prochaines émissions. Ouais. J'aime beaucoup ce poème parce que c'est pas un rythme régulier. Ça a un rythme particulier, tu vois. Oui. Et voilà, je tenais à le souligner sur ce poème. J'avoue que j'ai apprécié le rythme qu'il a donné à son texte. Tout à fait, très beau poème, et puis avec un lien avec la nature. Mmh. Et c'est vrai, alors je ne sais pas pour toi, Camille, mais pour moi, la nature, elle m'apporte cette sensation de plénitude. Oui, c'est vrai. C'est vraiment la beauté de la terre remplit mon cœur de joie. Et à ce moment-là, je me sens vraiment complète. Mmh. C'est comme l'amour que je peux porter à l'homme que j'aime, c'est vraiment une sorte de complétude, de plénitude. De toute façon, je pense que je te rejoins. Si j'ai pris l'exemple de la montagne à monter, c'est que d'un côté, les paysages, la nature, c'est ce quelque chose qui fait aussi qu'on est si petit face à cette immensité, quoi, si je puis dire. Parce que c'est vrai que quand on est tout là-haut, je pense qu'on se sent tout petit. Mais bon, après, voilà, c'est... Il y a des choses merveilleuses de la nature qui sont là, je pense, pour nous émerveiller et pour nous interpeller. Oui, tout à fait. Rien n'est au hasard. Non, rien n'est au hasard. Tout à sa place, tout est parfait, ouais. Tout est beau. Et c'est vrai que moi, je sens cette communion avec la nature. Je me sens vraiment être en communion, en harmonie. C'est un élément essentiel pour moi dans la vie. Alors justement, je profite de, de cette petite parenthèse avec toi pour pouvoir lire un poème que j'ai écrit et qui justement aborde le sujet de la nature. Eh bien écoute, à toi la place. Je voudrais vous emmener dans cet endroit illuminé où je sens autour de moi des êtres dans l'émoi. Ce lieu de l'esprit où se manifeste la vie, où j'écoute le ruisseau et j'entends le chant des oiseaux. Tout ce que je ressens ici, je pourrais l'appeler harmonie. Toutes ces étincelles, toute cette énergie, je pourrais l'appeler la vie. Le vent pousse cette douce mélodie et transporte la vie. Chantons ensemble cette douce symphonie pour célébrer cette magie. J'ai eu le plaisir de vous lire la symphonie de l'amour. Dans ce poème, j'aime approcher la nature comme l'amour. Mmh. Comme tu disais tout à l'heure, il y a cette notion de création. Tout a sa place, tout est beau. Mmh. Et il y a vraiment cette vie qui est là. Et puis le thème de la symphonie, ça a quand même du sens. Parce que bon, dans une symphonie, c'est pas un petit orchestre, c'est pas une petite guitare qu'on prend avec soi, mais on a des dizaines de violons, des tubas, on a tout type d'instruments.
ça rend la chose vraiment... On a l'impression que la musique, là, est vraiment complète, parce que qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et ouais. Et c'est vrai que dans la nature, il n'y a rien à rajouter. Tu vois, je suis nous sommes sur la plénitude, donc je vais pas débattre sur ce sujet-là. Mais je suis un peu agacée quand j'entends qu'il y a des communes, par exemple, qui ont décidé de changer les arbres. Ouais. Elles ont décidé d'enlever des arbres qui sont centenaires, de planter des arbres qui sont plus jeunes, sous prétexte qu'ils absorbent moins d'eau. Non, mais... Et pour moi, c'est fou, tu vois. Je me dis, mais comment nous avons déjà, de quel droit osons-nous abîmer ce qui est déjà là, sous prétexte que nous aurions un pouvoir sur ça. Tu vois, c'est un peu se prendre pour je ne sais qui. C'est ça. Et puis bon, c'est vrai que, comme tu dis, chaque chose a sa place à la base. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas le changement d'arbre qui va changer grand chose, c'est surtout clair. L'urbanisation des êtres humains, c'est eux qui détruisent la faune, la flore, tout c'est eux fait. Qui créent le plus de problèmes, parce que je pense qu'ils ont fait ça par rapport à tout le côté écologique que l'on voit aujourd'hui, mais l'écologie, ça passe par arrêter de déforester la déforestation de différentes forêts, on abat à tout va, enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on en est là, c'est pas un arbre centenaire qui va changer quelque chose, hein, clairement complètement. Pas. Hein. Complètement, c'est un peu comme si la maison brûlait et on décidait de désherber le jardin, quoi. Je pense que les Américains, c'est comme si tu leur disais dans un de leurs grands parcs où il y a des séquoias géants, là tu prends l'arbre au milieu, tu le détruis juste parce qu'il va prendre plus d'eau que les autres. Enfin, c'est presque, ça a une valeur patrimoniale d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est incroyable, quoi, d'avoir des arbres qui sont là depuis des centaines d'années. Enfin, je sais pas. Bon, voilà, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, tout ça pour dire que voilà, la nature nous remplit de cette joie et voilà, elle personnellement, je ressens cette plénitude au contact de cette nature. Je comprends. Je comprends tout à fait. Et par rapport à la plénitude, bah, on parle de la joie. Donc, on va peut-être partager un poème sur la joie. Exactement, hein, Camille. Quelle bonne idée. Allez, on va partager ce petit poème. La joie. Pour une heure de joie, unique et sans retour, de larmes précédées et de larmes suivies, pour une heure, tu dois aimer la vie. Quel homme, une heure au moins, n'est heureux à son tour. Une heure de soleil fait bénir tout le jour, et quand ta main serait tout le jour asservie, une heure de tes nuits ferait encore envie aux morts qui n'ont plus même une nuit pour l'amour. Ne te plains pas, tu vis, plus grand que misérable, et l'univers, jaloux de ton cœur vulnérable, achèterait la joie au même prix que lui. Pour la goûter, si peu que cette ivresse dure, les monts accepteraient l'éternelle froidure, l'océan, l'insomnie et les déserts, l'ennui. René François Sully Prudhomme. Merci infiniment pour cette très belle lecture, Camille, et ce magnifique poème de René François Sully Prudhomme que nous avons eu le plaisir de retrouver dans de nombreuses émissions, hein, parce que j'aime beaucoup ses poèmes. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et, non, c'est vraiment super. C'est vraiment magnifique. Donc, initiateur de la Société des poètes français qui, aujourd'hui, rayonne rue Monsieur le Prince à Paris. Et qui également est un de nos partenaires sur les poèmes du cœur. Oui, tout à fait. Que nous faisons tous les ans pour souhaiter la bonne année aux personnes qui justement en ont besoin le plus et qui sont les plus éloignées. Tout à fait. Alors, je propose de célébrer tous ces beaux poèmes que nous avons lus avec un voyage musical. Ah, on écoute ça tout de suite. Dépasseront les mots, ne peut finir comme un mégot. J'aurais beau faire les tours du monde, demander de l'aide à quelqu'un, les idées s'en vont de ce monde, sans qu'on agisse, rien ne se tient.
a beau dire, tout a un sens. La plénitude, qu'est-ce que ça vaut? Si la peur ne servait à rien, se réveillerait-on le matin? On a beau oublier son corps, ou bien vouloir celui des autres, on n'oserait même pas faire ces choses. Quand on est clone, rien ne se tient. On oserait oublier encore que si l'on remet les deux mains à aujourd'hui, tout a un sens. La plénitude n'est pas si loin. Vous avez écouté La plénitude de Marie Amalie. Alors, qui est Marie Amalie? Marie Amalie est une jeune femme franco-libanaise et elle a un univers à la fois poétique, profond. Elle a été lauréate du prix Nougaro en 2019 et je vous invite à la découvrir. D'ailleurs, le clip pour cette chanson est très agréable, très sympathique, très joli. Et je ne la connaissais pas du tout, cette artiste. Eh bien, voilà. Petite découverte, voilà. Et je pense qu'elle va rentrer en programmation avec différents titres, parce que c'est sympa. C'est ça change sympa. Un petit peu de chanson française, avec... Ouais, y a un petit côté, je ne sais pas, langoureux. J'aime bien ce type de musique, elle est sympa. On est tranquille après avoir écouté ça. C'est ça, c'est vraiment une musique qui amène la joie, la plénitude. Et d'ailleurs, dans le clip que je vous invite à découvrir, il y a des jeunes très joyeux, très souriants... Et c'est vrai que ça amène tout de suite de la bonne humeur. Voilà, tout à fait. Et nous, on aime la bonne humeur sur RLS. Exactement, exactement. La bonne humeur et la joie, c'est très important sur RLS. Alors justement, Camille, je voulais continuer ces découvertes avec un poète également de notre temps. D'accord. Qui s'appelle Stéphane Moisan, qui a une œuvre très intéressante, qui a un parcours extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, j'aimerais que nous puissions l'interviewer. Moi, je suis toujours ouvert. Voilà, c'est un poète qui m'intéresse beaucoup, qui m'a émerveillée par sa plume, qui a d'ailleurs écrit sur la plénitude. Et je te propose que nous fassions une danse à deux voix avec ses poèmes. C'est-à-dire sont... Eh bien, je lis un poème, tu lis un poème. Ok, donc on fait combien de poèmes comme ça? Eh bien, nous en faisons quatre au total. Ok. Ces poèmes sont comme des haïkus.
De par leur... Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs un peu ce que c'est que les haïkus ? Je sais que ça vient un peu du Japon, enfin, côté asiatique, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec un haïku comparé à une poésie ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou est-ce que c'est juste une poésie version japonaise ? Alors, le haïku... Alors, et donc, bon, je ne suis pas spécialiste du haïku, hein, je précise quand même. Donc, je te pose une colle, allez hop, c'est parti. Je t'ai posé des colles au début, tu vas me poser des colles à la fin. Cependant, je peux quand même répondre parce qu'en effet, je m'intéresse au haïku. Et d'ailleurs, j'ai un spectacle qui s'appelle Rivière du ciel, que j'ai créé il y a, je crois, il y a 2 ans avec 2 artistes de la compagnie, Les Étoiles de la Galaxie, et qui est en poème haïku. D'accord. Donc je pense que je peux te répondre à cette question. Alors, vas-y, réponds à cette question parce que je pense que je ne suis pas seule à me poser la question justement. Alors les haïkus sont des poèmes, déjà ce sont des poèmes, ce sont des poèmes qui sont courts, qui amènent à sublimer la réalité et à faire passer des messages qui sont très subtils sur ce que nous pouvons ressentir comme émotion face à une situation. Voilà ce que moi, j'ai compris du haïku. Ok. Ce que je te propose, vu la dimension que ça a, donc tu lis un poème, je lis un poème, donc on va le faire avec comme musique de fond, la petite musique de Peter Bielen qu'on avait en début, en fond, hein, vraiment en Bien bas. Sûr. Et puis une fois qu'on a terminé un poème, on laisse 15 secondes de petite musique en fond pour qu'on essaie de s'imprégner de l'image qu'on a voulu transmettre de l'haïku. Et après, on poursuit avec un autre poème et ainsi de suite, ok ? Avec très grand plaisir. Allez, on va essayer de faire ça comme ça. Je me dis que voilà, ça peut coller. Quelle créativité, Camille. On essaye d'innover. Tu nous épates. Tu l'as dit. Alors, eh bien, je crois que c'est toi qui vas commencer. Tout à fait. Alors, je vais commencer avec « Oraison ». Partir se recueillir, loin des hommes, trouver la paix, ni espoir, ni regret, approcher la plénitude en restant là présent, après l'avoir écouté, la leçon du silence, ne rien dire. Poème zen. Méditation. Le silence en parle, mieux que les livres. Pour trouver la paix, sur terre la chercher, en soi-même, partout ailleurs, elle ne dépend pas que de nous. Chacun sa part d'ombre. Seul le grand soleil n'a pas de côté sombre. J'apprécie sa compagnie, pourvu qu'elle soit douce. La solitude est mon amie. De plus en plus isolée, me voici loin de tout, mais plus près de moi-même. Plénitude. Faire le vide en soi. Puis laisser le bien-être envahir notre esprit. Plus envie d'ailleurs, plus de passé ou futur, ici et maintenant. Profitez de l'instant, profitez des heures, le temps du bonheur.
Nous avons eu le plaisir de vous lire les poèmes de Stéphane Moisan. Alors Stéphane Moisan, c'est vraiment une personne de notre époque puisqu'il est né le 10 décembre 1979. Et donc il est de la région parisienne. Mmh. Et c'est une personne que j'ai découvert en lisant des poèmes, que je voudrais faire découvrir d'ailleurs à nos auditrices et à nos auditeurs, donc je n'en dévoilerai pas plus. Cependant, c'est une personne qui a eu un parcours très engagé et en même temps qui a eu une expérience qui a pu être très difficile et qui a réussi à se relever de tous les obstacles, de tout ce qu'il a vécu. Donc le mieux, c'est de l'avoir ici pour qu'il puisse nous en parler. Exactement, Camille. Je pense que c'est une excellente idée que nous allons accomplir prochainement. Je suis d'accord avec toi. Alors, bon, c'est vrai qu'on a fait notre petit moment, justement, où on se ressourçait, on essayait de voir quelque chose, d'entrevoir peut-être quelque chose d'autre. Et je crois qu'on va repartir en musique. Exactement. Pour célébrer cette parenthèse de plénitude. Voilà, tout à fait. Eh bien, on écoute ça, on en parle juste après de cette musique. Vous avez écouté Contemplation de la non-venue et du non-départ, donc du village des Pruniers. Alors c'est un centre de méditation, donc c'est vrai que sur Radio La Sentinelle nous sommes chrétiens et nous sommes ouverts aussi à d'autres approches à partir du moment où elles sont éthiques et elles correspondent à cette continuité. Donc une chanson qui nous rappelle notre continuité.
Et c'est marrant, mais j'ai eu l'impression, quand j'écoutais les paroles, que ça faisait un peu comme un haïku, comme on a fait tout à l'heure en poème. C'est vrai. C'est vrai que, bah, bon, c'est ce que j'ai eu l'impression. Après, est-ce que c'est vraiment ça? J'en sais rien. Mais... Oui, c'était très... C'est vrai, ça reprend cette subtilité très légère, ouais. Avec peu de mots, voilà, peu de... Essayer de donner un sens à chaque phrase, et puis, ouais, de faire un appui sur chaque phrase. Mais c'est vrai que c'est l'impression que j'ai eue. Mais après, c'est peut-être ça, qui sait. Exactement, c'est un haïku musical. Tout à fait, un haïku musical. Une nouvelle découverte, parce que nous avons plein de découvertes dans cette émission. Mais on n'arrête jamais de découvrir. T'inquiète pas, on va encore faire des découvertes pour la prochaine saison, hein, qui arrive bientôt. Hein, rendez-vous en septembre, on continue, hein, on reste là. Exactement. Alors, pour la suite, eh bien, je crois qu'après toutes ces découvertes, il est temps de découvrir une personne que vous connaissez déjà un petit peu. Puisque cette fois-ci, l'interview, bah, c'est moi qui vais me prêter au jeu, hein, c'est pas toi, Laura, parce que c'est moi qui vais t'interviewer, tu vois. Exactement. Eh bien, il faut quand même qu'on présente Laura, qui est artiste-poète, et elle aura l'occasion de nous parler un petit peu de son parcours. Donc, Laura, bon, on se connaît, certes, un petit peu, mais nos auditeurs ne te connaissent pas, peut-être 100%. Beaucoup. Ils connaissent un petit peu tes recueils, mais bon, ils aimeront en savoir un peu plus. Alors déjà, Laura, nous, on te connaît surtout par le biais de la poésie. Mm-hmm. Depuis quand tu as fait de la poésie et aujourd'hui, tu as fait beaucoup de recueils et ces recueils, est-ce qu'ils parlent de thématiques vraiment qui te tiennent à cœur? Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce petit parcours poétique avant d'introduire aussi un autre sujet, parce que l'art, c'est de diverses formes, et tu m'as appris que, eh bien, tu allais dans divers horizons. Ça, exactement, exactement. J'ai une nouvelle, un nouveau projet dont je vais vous parler, et pour lequel je vais d'ailleurs inviter les auditrices et les auditeurs de Radio La Sentinelle. Commençons déjà par la poésie, qui est pour moi la mère de tous les arts, qui pour moi est exprimable dans différentes formes et que j'exprime dans différentes formes. Pour la poésie écrite, j'ai commencé il y a un peu moins de 10 ans, c'était en 2012 exactement. Mm-hmm. Non, il y a plus de 10 ans. Parce que 10 ans, je ne sais pas, ça fait... Il faut que je revoie les chiffres cet ça été. Fait, hein. Ça fait 2013. Hein. C'est ça. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Oui. J'ai plus de 10 ans. J'ai un projet le cet temps été, passe c'est, vite. C'est de revoir mes tables de multiplication et mes chiffres. Le temps passe très vite. Exactement. Et donc, à l'époque, je n'avais pas écrit un seul poème. Et donc, j'ai une personne qui a une galerie d'art à Paris qui me lance un défi, qui me dit, ben voilà, il y a le printemps des poètes, je fais un événement, as-tu des choses à présenter? Par contre, c'est ça la deadline, quoi. Hein. Donc moi, je me dis, bon bah super, j'adore les challenges, donc je me mets à écrire. Enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, combien j'ai de recueils? Je crois que j'en ai un peu moins d'une dizaine. Et à cela, j'associe les albums de contes pour les enfants, puisqu'ils sont sous forme aussi poétique. Il y a beaucoup de poésie. Et les albums de chansons. En gros, je pense que d'un point de vue support... donc moi, j'aime beaucoup l'audio. Je suis voix off, donc l'audio, pour moi, c'est très important. Et donc, je fais principalement que du support audio. D'accord. Donc, je dirais que j'ai une vingtaine de disques à mon actif. D'accord. Voilà, que ce soit pour le registre de l'enfant ou le registre adulte. Ensuite, la poésie, je l'utilise de manière beaucoup plus générale parce que je fais des spectacles, je crée des spectacles de poésie et de musique. Donc, j'ai à peu près une quinzaine de spectacles que j'ai créés. D'accord. Pour les enfants et pour les adultes. Et puis, je fais des œuvres d'art aussi. Donc, oui. On va en parler. Hein. Exactement, nous allons en parler. Donc là aussi, je mets de la poésie. Notamment, je fais des œuvres d'art aussi musicales pour les enfants. Ah, c'est-à-dire, parce que là, tu m'interpelles, là, œuvre d'art musicale, t'entends quoi par là? Alors, ce sont ce que j'appelle des tableaux poétiques. Donc, ce sont des tableaux peints avec de la peinture. Et derrière, il y a un dispositif sonore. Ah. Et ce dispositif sonore permet d'amener une petite histoire à l'enfant. Pas mal, ça. Ouais, c'est très très sympa, c'est très agréable. Mais l'audio, la vue, tous les sens sont en éveil avec toi. Il reste plus qu'à goûter la peinture. Non, je rigole, non, on va pas goûter la peinture. Oui, là, ça serait. Il faudrait avoir des compétences culinaires que je n'ai pas. C'est ça. Qui sait, peut-être qu'un jour ça va sortir. Hein. Ce genre c'est de concept, ça. Je suis sûr que ça a déjà existé. Oui, j'en suis sûre aussi. C'est très fou. Innovant. Mais c'est vrai que l'art, c'est quelque chose de tellement vaste. Oui. Je sais que, bon, alors.
par la poésie. Alors, on va voir ça dans toutes les formes d'art que tu fais. Mm-hmm. Je sais que tu as un attrait particulier à la nature. Oui. C'est peut-être l'attrait que tu as vraiment, que tu mets en premier plan en général. Peut-être que tu as d'autres aspects que tu aimes bien traiter dans tes poèmes, dans tes pièces, dans tes œuvres d'art. Oui, alors c'est vraiment la notion de la spiritualité. Mmh. Parce que avant de... Donc là, je te parle de 2012, mais en fait, les premières œuvres que j'ai créées datent des années 2000. C'est vraiment la notion de la spiritualité qui m'intéresse. D'accord. C'est-à-dire que mes spectacles ou mes poèmes vont mêler l'art et la spiritualité. Mmh. Et dans la perspective que l'être humain, il est avant tout une âme. Et son corps n'est qu'un véhicule, en fait, pour s'incarner sur Terre. Et donc, il n'a pas de limite. Mmh. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je vais aborder. Et je vais l'aborder... alors, je ne vais pas l'aborder aussi franco avec les enfants, parce que les enfants, j'amène ça de manière plus enveloppée. Mais si, par exemple, je fais un spectacle sur la nature... cette notion de la spiritualité existe à travers la nature. Mmh. Hein? Puisque dans un de mes spectacles qui s'appelle Le souffle de la forêt, je conclue en disant la nature c'est la vie et nous sommes la vie. Mmh. Hein? Donc il y a cette notion de spiritualité que je reprends aussi dans mes contes audio. Oui, tout à fait. Le monde de Poli. Magique de Poésie. Monde magique de Poésie. Ouais, exactement. Parce qu'il faut savoir que les contes de Laura, vous pouvez les écouter notamment sur la radio. Et très prochainement, on a une autre série de contes avec des animaux, il me semble. Oui, c'est le cœur des animaux. C'est en fait pour tous les enfants. Alors, ce sont des enfants plutôt qui ont déjà un pied dans l'école. Ouais. Puisque là, en fait, j'ai repris différents animaux qui amènent une symbolique philosophique et spirituelle aux enfants en fonction de leur personnalité. D'accord. Donc pour donner un exemple, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, par exemple, il y a un conte qui s'appelle Keia et le feu de la vie. Donc moi je suis une personne qui s'adresse au monde entier, donc les prénoms de mes personnages viennent de toutes les cultures, ils viennent de tous les horizons. Mmh. Et ça, c'est une petite fille qui vit dans un pays d'Afrique et qui est très timide, elle n'arrive pas à s'exprimer à l'école, pourtant elle sait les choses, mmh. Et elle se fait surprendre par un lion qui est là et qui, elle passe ses après-midi à apprendre sous un arbre d'acacia, et un lion à un moment donné la surprend, et elle est très admirative de ce lion parce qu'elle se dit, en fait ce lion il est tellement majestueux, il a tellement confiance en lui, comment il fait? Et donc il y a un dialogue qui se fait entre la petite fille et le lion. Tout part de là. Et le lion lui apprend après que, en fait, lui aussi, il a peur. Mais s'il écoutait sa peur, il se ferait envahir par tout le monde. Mm-hmm. Donc, il doit vaincre sa peur pour pouvoir exister et pour pouvoir faire part de sa majestuosité. D'accord. Tu vois, à chaque fois, il y a ce message-là. C'est intéressant. N'hésitez pas, le mercredi matin et le dimanche matin, vous savez, l'heure des enfants, vous pourrez découvrir tout le mois d'août et en septembre ces contes présentés par Laura. Exactement. Alors, bon, il est temps maintenant de voir un petit peu la nouveauté. La nouveauté. On aime la nouveauté, même si j'aime aussi tes poèmes. Hein. Je sais que tu en écris toujours, il y a toujours d'autres recueils qui... D'ailleurs, juste pour préciser à nos auditeurs, ceux qui voudraient avoir un poème avant qu'on parle de la galerie d'art, ils doivent aller sur un site particulier, ils doivent te contacter d'une manière particulière. Alors, ils peuvent en effet m'écrire toujours, s'ils le souhaitent, sur laura.ruchinska, ruchinska@yahoo.fr. Mmh. Ils peuvent également se procurer mes albums pour donc plutôt des adultes sur www.laura-ruchinska-artiste.net, ou alors pour les enfants sur www.lemondemagiquedeposi.com. D'accord. Bon, voilà. Tous les renseignements sont donnés. On en donnera peut-être à la fin de l'émission, histoire de vous refaire un petite piqûre de rappel, comme on dit. Exactement. Alors, il est temps de parler de cette fameuse galerie d'art, puisque voilà, tu as décidé depuis quelque temps, alors tu me diras depuis combien de temps, mais de te mettre à la peinture, parce que je pense que la poésie, la peinture, ça peut se mêler. Hein. En même temps, exactement, la poésie, c'est quelque chose d'imagé, la peinture, c'est aussi quelque chose d'imagé, mm-hmm. sur une toile. C'est vrai. Donc, est-ce que tu peux me parler de cette galerie d'art, comment elle s'appelle, quand est-ce qu'elle ouvre, pourquoi tu l'as voulu créer justement celle-ci, mm-hmm. Bien sûr. Alors, mon premier métier, c'est mon métier de comédienne, hein, que j'ai depuis 1999.
Et la peinture est venue un petit peu plus tard. J'ai commencé à peindre en 2012. Hein. D'accord. Donc j'ai une collection de tableaux. Donc là, ça fait à peu près 10 ans. Là, on est d'accord sur le... ça fait à peu près 10 ans. Ça fait un petit peu plus de 10 ans. Donc j'ai une collection de tableaux. Donc il y en a certains que j'ai vendus, d'autres qui sont encore dans mes murs. Et en fait, si tu veux, dans toute ma carrière d'artiste, réaliser mes rêves était très important et faire rêver les autres est extrêmement important. Ça a toujours été un moteur énorme pour moi. Et nous avons décidé avec mon conjoint et associé Franck de créer une galerie d'art. Donc nous avons créé cette galerie il y a peu. D'ailleurs, nous avons un événement auquel nous souhaitons inviter tous les auditeurs, toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio La Sentinelle qui se fera le 7 septembre à 17h. Donc c'est à l'Atelier des Rêves. L'Atelier des Rêves, vous savez pourquoi, puisque nous avons comme auteur la réalisation des rêves, de nos rêves, et également la promotion d'autres artistes. Notre but avec l'Atelier des Rêves, c'est de permettre aussi à d'autres artistes de réaliser leurs rêves. Et donc, c'est au 105 rue de la Tombissoire, dans le 14e à Paris. Donc, il y a cette ouverture au public de la galerie d'art, pour présenter notre travail et de faire un événement d'accueil et de partager du temps ensemble. Alors, l'Atelier des Rêves, c'est une galerie qui va présenter bien sûr des œuvres d'art peinture, des œuvres d'art sculpture. Nous travaillons avec des établissements, en partenariat avec des établissements très prestigieux et aussi un réseau d'experts pour mettre en valeur les œuvres. Donc il faut savoir que, par exemple, des gens qui sont spécialisés dans l'art sont des personnes très importantes pour les artistes, puisqu'elles ont elles-mêmes aussi un réseau. Hein, donc nous mettons à disposition notre réseau international. Et l'Atelier des Rêves a aussi une programmation de petites formes poétiques. Donc ce que j'appelle les petites formes poétiques, ce sont les spectacles pour les enfants ou des petits spectacles également pour les adultes. D'accord. Voilà, c'est vraiment l'ambition de cette galerie d'art qui s'appelle l'Atelier des Rêves. C'est intéressant, c'est une galerie pluridisciplinaire et comme tu le disais, il y a même les œuvres d'art sonores que vous pouvez découvrir. Exactement. Sur place. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc justement, vu qu'on parle de l'Atelier des Rêves, de quelle manière tu as décidé de faire rêver les personnes qui vont venir visiter cet atelier? De quelle manière tu veux les faire rêver? Alors déjà, il faut savoir que c'est un endroit... on va déjà parler de l'endroit avant de parler des œuvres d'art que j'ai créées. C'est un endroit qui est magnifiquement refait par les mains en or de mon conjoint. Hein. C'est bien de le souligner. Voilà, c'est bien de le souligner, qui est mon associé également. Donc c'est magnifiquement refait. C'est important parce que, tu vois, je discutais avec un ami qui est le directeur des hôtels de Vente Drouot, avec qui nous avons un partenariat. Donc lui sur des œuvres plus globales et nous sur les œuvres contemporaines. Il nous dit que c'est très important de présenter des œuvres dans un bel écrin. Mmh. Ça donne tout de suite envie de les acheter. Il a totalement raison. Quand les œuvres sont présentées dans un bel écrin, elles sont mises en valeur et ça donne envie de les acquérir. Donc ça, c'est nous faisons déjà rêver par la beauté du lieu, parce que le lieu est vraiment magnifique, ce qui n'était pas vraiment le cas au début. Mmh. Hein, donc maintenant, il est magnifique. Je confirme, j'ai vu des photos, oui, on voit l'évolution. Je te remercie infiniment, Camille. Et puis, la deuxième chose, eh bien, ça va être la découverte de mes œuvres d'art, donc les tableaux, les tableaux simples, et aussi les tableaux pour les enfants, les tableaux musicaux. De découvrir aussi les contes, puisqu'il faut savoir qu'il va y avoir une œuvre qui est en cours de création, qui va être une œuvre très grande et qui va permettre aux personnes aussi d'écouter un conte et de regarder l'œuvre qui a été peinte. Voilà, et donc également de présenter la programmation jusqu'en décembre 2023 et ensuite la programmation de 2024 sur le premier semestre sera présentée à partir du 8 janvier 2024. Ok. Et donc, est-ce que les œuvres d'art que l'on retrouve là-bas, elles ont un lien direct avec ta poésie? Est-ce que tu fais un peu vivre ta poésie à travers ces œuvres? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, les œuvres que je crée, elles ont toutes une profondeur, une authenticité, un sens. C'est-à-dire, elles vont raconter une histoire, elles vont... Donc, moi, je travaille avec de la peinture,
donc de l'acrylique, différentes matières. Et je travaille aussi avec des pierres et des minéraux. Donc il y a aussi des œuvres qui, avec des minéraux et des pierres, ont une symbolique très forte. Comme par exemple la joie, l'apaisement, la paix, la sérénité, voilà, le lien avec les autres, voilà, tout ça. Et donc oui, il y a cette poésie qui est présente dans les œuvres. Il y a cette poésie aussi que moi je mets, que j'ai en moi, que je retranscris dans l'œuvre. Il y a aussi des poèmes qui sont présentés dans la galerie, que les personnes peuvent lire, dont elles peuvent s'imprégner. Donc cette poésie est présente. Et aussi la manière dont sont présentées les œuvres, c'est en effet de manière poétique. Ben oui, j'imagine. Exactement. Ben, ça fait plaisir de voir une continuité hein, dans ce que tu fais. Merci. J'aimerais savoir, parce que là c'est vrai qu'on parle de... Tout à l'heure on a parlé de la poésie, donc tu avais un site particulier pour la poésie. J'imagine qu'il y a un site particulier pour la galerie d'art, vu que c'est un petit peu un autre domaine. Exactement. Donc le site est très simple, c'est l'atelier des rêves, tout attaché. .fr avec une particularité, c'est qu'il y a un tiret, donc le tiret du 6, entre le L, qui devrait être le L apostrophe, et Atelier des rêves. D'accord. Et est-ce que tu as une ambition particulière à travers cette galerie d'art ? Oui. J'ai la même ambition que pour ma compagnie de spectacle, donc la compagnie Les Étoiles de la Galaxie, qui est de permettre, donc moi déjà, de me permettre de m'épanouir, et aussi de permettre à d'autres artistes de pouvoir s'épanouir et de pouvoir réaliser leurs rêves. Je fonctionne beaucoup avec cette citation de John Muir qui dit « L'imagination a le pouvoir de nous rendre infinis ». Et donc, pour moi, avant que quelque chose se réalise, il y a tout d'abord ce que nous projetons et ce que nous imaginons, ce que nous rêvons. Et pour moi, le rêve, il est un moteur extrêmement fort dans la vie. Je pense que le rêve est important pour tous les êtres humains. Tout à fait. Et je pense qu'un être humain, d'ailleurs Confucius disait, grand est celui qui a gardé son cœur d'enfant. Et un enfant, il rêve. Donc pour moi, un être humain, il est fait pour rêver. Il est fait pour imaginer des choses magnifiques. Et c'est vrai que l'ambition de l'atelier des rêves, c'est vraiment d'amener de la beauté dans la vie, comme nous pouvons sublimer la vie avec la poésie. Et donc cette beauté que nous pouvons créer, parce que nous sommes créateurs. Mmh. Et dans notre société aujourd'hui occidentale, qui est très opprimée malgré ce que nous avons l'impression. Nous avons l'impression que nous pouvons nous exprimer, nous avons l'impression que nous pouvons créer. Nous sommes dans une société extrêmement opprimée et je pense que nous devons redevenir créateurs de nous-mêmes et de cette société. Okay. Et que pour moi, les artistes sont ceux qui permettent à la société d'évoluer. Ils permettent de faire passer des messages qui sont forts et ils permettent de sublimer notre société. Tout à fait. Et donc justement pour clôturer un petit peu cette interview, parce qu'il faut la clôturer, est-ce qu'on peut rappeler donc, les différents moyens de te contacter ? On va faire premièrement par la poésie et après tous les contacts pour la galerie d'art, même pour les artistes qui voudraient justement prendre contact et savoir comment exposer chez toi, etc. Est-ce que tu peux donner tous les renseignements ? Comme ça on aura voilà, un petit package de ce qu'il faut noter. Donc prenez bien vos crayons, vos stylos et notez bien tout ce que l'on va vous dire maintenant. Exactement. Alors pour être très simple, je vais donner nos numéros de portable, comme ça c'est plus simple, comme ça les gens peuvent nous contacter. Donc moi c'est le 06 24 55 65 41 et le deuxième téléphone c'est 06 29 11 61 24. D'accord. Pour l'atelier des rêves, c'est l'atelierdesrêves.fr, donc tout attaché sauf qu'il y a un trait d'union, donc le tiret du 6 entre le L et atelierdesrêves.fr. D'accord. Si c'est les œuvres d'art, mes œuvres d'art qui intéressent, donc ça c'est lesoeuvresdeos.com, donc tout attaché. Donc les œuvres deos, EOS.com. Et ensuite, il y a la poésie, donc c'est laura-ruchinska, ruchinska-artiste.net. Ça, c'est pour les adultes. Et pour les enfants, c'est le monde magique de posy.com. Très bien. Posy, P-O-Z-I.
Voilà, vous avez donc tous les renseignements et vous pouvez aller sur Internet, vradrouiller. N'hésitez pas à contacter, ce sera un plaisir de vous répondre, hein, que ce soit toi ou une autre personne de ton équipe. Exactement. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir eu en interview. Pour une fois, on change un peu les rôles, hein, on inverse un peu les rôles. Merci en tout cas, ça fait plaisir de voir que tu arrives à t'épanouir dans tous ces styles d'art. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien aussi peindre de temps en temps. Bon, je ne considère pas que je suis un grand peintre. Hein. Ma femme, surtout, elle aime peindre. Ah, c'est merveilleux. Plus que moi. Mais c'est vrai que j'aime exprimer, enfin, pouvoir exprimer ce qu'on a dans le cœur, c'est quelque chose qu'il faut pas le garder pour soi. À un moment, il faut l'exprimer, même si c'est pas devant tout le monde, mais au moins pour soi-même, c'est bien de mettre, de coucher sur papier ce que l'on a au fond de soi. Et donc, bah voilà, grâce à toi, on découvre d'autres formes d'art aussi. Donc, n'hésitez pas, hein, l'atelier des rêves à Paris avec l'ouverture le 7 septembre. Le 7 septembre à partir de 17h. Voilà, à la rue... Alors, 105 rue de la Tombissoire. Voilà, 105 rue de la Tombissoire. Dans le 14e arrondissement. Voilà, toutes les informations sont données. Et donc, on va se quitter et peut-être te donner les informations pour la prochaine émission Mon Poème. Exactement. Alors, tout d'abord, Camille, je voulais te remercier infiniment pour cette interview de qualité. Je voulais également remercier les auditrices et les auditeurs de nous avoir écoutés pour leur précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème. Nous nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois et le prochain ce sera en septembre puisque il y a une rediffusion qui va se faire en août pour des congés bien mérités. Donc ce sera le mercredi 27 septembre à 17h et ce sera sur le thème de la Renaissance. Voilà, tout est dit et on vous dit à septembre à la rentrée. À la rentrée, nous vous souhaitons un très très bel été. RLS, c'est seulement sur le 97.9.